suis en compagnie d'Annie Martin, double olympienne en volleyball de plage et entraîneur sur nos programmes des équipes du Québec de volleyball de plage également. Donc, Annie, as-tu un petit conseil de la pro au niveau de l'attaque en volleyball de plage? Oui, en fait, moi, mon conseil, ça serait au niveau du saut. Qu'est-ce que je trouve important, c'est de descendre avec une bonne amplitude. Des fois, on descend pas assez bas, fait que ce qui fait qu'on recrute pas assez nos muscles des cuisses, des ischios, des fesses, puis on va pas chercher assez d'hauteur. Fait qu'on veut descendre assez bas, aller chercher un bon squat pour aller avoir le plus d'hauteur possible et être bien percutant à l'attaque. C'est vraiment un bon point parce qu'il y a des études du préparateur physique connu Charles Poliquin qui démontrent que quand on implique les ischios et les fesses dans notre saut, en fait, c'est que les ischios et les fesses sont responsables d'à peu près 45 à 50 de la hauteur de notre saut. Puis, pour les impliquer, il faut descendre à tout le moins, à descendre à 90 degrés certainement pour qu'ils soient sollicités. Donc, vraiment un conseil très intéressant et important pour avoir une hauteur de saut maximale. Donc, c'était notre blog cette semaine sur l'attaque en volleyball de plage. Alors, on vous revient prochainement avec un autre sujet. Et on vous dit bonne journée!